rencontre de Lionel Bigouli, hein, qui est un artiste peintre que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment lors de l'installation Éclats sonores que je présentais au Centre culturel Nunavut. Très rapidement, nous avons commencé à échanger, à discuter, et on s'est aperçu qu'on avait des préoccupations communes et que très rapidement est née comme ça une envie de se rencontrer, de se connaître et d'aller un petit peu plus loin dans les éléments de mon travail sonore qui l'ont interpellé par rapport à lui, à son travail qui est plus pictural. Il a été donc très sensibilisé à cette dimension urbaine de mon travail. Comment, en termes d'interprétation, de représentation, on peut être emmené à se projeter dans un imaginaire visuel à travers les sons, et donc ça touche, toi, à ton travail, à ton art, qui est justement de mettre en forme, en volume, peut-être des notes. Donner un signe à un son qu'on transcrit en signe. C'est marrant parce que notre rencontre, elle a été basée là-dessus. Et générer du sens par rapport à cette interaction, justement. Oui. Et c'est une de mes préoccupations que d'aller proposer du sonore. Alors, du sonore un peu ludique, comme tu dis. Oui. C'est-à-dire, les balades sonores qu'on a pu organiser récemment emmenaient le public à se questionner sur la spatialisation du son. J'essaie à travers des lignes relativement simples, on va dire, de mathématiques, rond, le cercle, le carré, le périmètre. Comme celle-là, voilà, par exemple. Et comme celle-là aussi, que oui. Que j'aime beaucoup. Le printemps, l'éclosion. D'accord. Ça s'appelle le 21 mars. Voilà, c'est l'éclosion. C'est l'éclosion de la forme et l'éclosion de la couleur. Et avec des tonalités souvent vives, oui. Hein, dans tes toiles. Oui, essentiellement primaires. Oui, ce que j'aime, c'est ces tonalités vives, mais pas que, parce que... Je sais aussi que tu as fait d'autres travaux où là, oui. on est moins dans la tonalité primaire, ça, oui. Suivant les contextes géographiques, de climat, de lieu, de culture, de son. Oui, parce que tu as beaucoup voyagé, donc tu as eu l'occasion justement de laisser ton inspiration s'exprimer au gré de tel pays, telle Totalement. Région. Et ça aussi, c'est un peu un de nos points communs. Ah oui, l'influence d'eux. L'influence du milieu dans lequel on se trouve et la corrélation avec le résultat qu'on produit ou qu'on cherche à atteindre. Et j'en reviens à l'espace public. Effectivement, je rebondis sur ton idée qui serait intéressante d'aller aussi investir l'espace public pour créer une mixité dans les pratiques artistiques, la pluridisciplinarité, c'est-à-dire de la création sonore avec une composition picturale en Totalement. Temps réel, ou qui peut aussi se décliner sur du numérique, par exemple, à la tablette, ou du visuel. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui nourrit mon travail de création, c'est d'aller toujours un petit peu à l'encontre des codes, des choses un petit peu convenues, et d'aller trouver des dialogues, des modes de correspondance entre les différentes disciplines, souvent en travaillant aussi avec la vidéo. Oui. Donc, ça nous ramène aussi à un monde pictural. Hein. Merci d'être venu me rencontrer. C'est très, très agréable. Merci à toi. Et de partager des idées. Merci à toi de nous avoir reçus chez toi et de nous avoir fait partager ton univers et ta vision du monde. La montagne, qu'est-ce que c'est la montagne? C'est ce nouveau lieu qui s'est ouvert à Ajaccio depuis à peu près un an et qui a une particularité qui est de proposer un concept un petit peu neuf en termes de programmation puisque c'est à la fois un club de musique axé plutôt sur des musiques électroniques avec toutes les variantes, donc c'est pour ça que ça a attiré mon attention, mais aussi un lieu de programmation qui peut s'étendre à des spectacles type cabaret ou café-concert et même pièces de théâtre. Alors bonjour, Brian et Laurent. Bonjour Tommy. Merci de nous accueillir ici chez vous à la montagne, à Ajaccio. Et j'allais dire, la première question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi la montagne? Alors la montagne, c'est très simple. On a eu une publicité de fait par notre président de collectivité territoriale, M. Gilles Séméon, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, durant son discours lors de la venue du président du pays d'en face.
où il a parlé de l'île montagne, donc c'est tout simplement en relation avec la Corse, puisqu'on l'appelle l'île montagne, et voilà, c'est un rapport direct avec ça. Comment est né le projet? Dites-moi en un petit peu plus. Bah, si tu veux, moi je travaille dans l'événementiel. Donc j'ai une structure qui me permet de faire de la technique son, lumière, tu vois, sur du concert, également de l'animation. Et depuis toujours étant passionné de technique son, lumière, bah, une petite salle de concert s'imposait. C'est vrai qu'il y avait une certaine demande sur quelque chose d'un peu plus varié et un peu plus peut-être underground au niveau des propositions, bien que nous ne soyons pas vraiment un club, hein, puisqu'on ne peut pas dire qu'on soit un club. Effectivement, il y a une majorité de spectacles électroniques, on va dire, mais il y a aussi du théâtre, il y aura du reggae, de la dub, des choses comme ça. Voilà, alors c'est parti du constat qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il ne se passait rien. Alors en fait, il se passe énormément de choses, mais il se passe des choses dans des cercles fermés. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on va dans des différents cercles fermés, qu'on extrait 2-3 personnes et qu'on va à la rencontre de comme toi, par exemple, hein, ou toi, jusqu'à ce que tu viennes à nous, on ne te connaissait pas, et ce que tu fais nous intéresse énormément. Et on a besoin justement de rencontrer, on a besoin de pouvoir partager ces choses-là et de faire avancer ce qui se passe ici, de manière à pouvoir sortir un petit peu l'étiquette... L'étiquette qu'on a, qui est voilà, le chant corse, qui est le chant polyphonique, qui est bien maintenant instauré, il n'y a aucun problème. Il y a de vrais savoir-faire, il y a des vraies compétences, que ce soit par les Corses ou par les Corses d'adoption, parce que c'est important pour nous aussi, cette démarche. On est plutôt dans une démarche d'entreprendre des choses, d'essayer de monter en gamme dans les propositions et de faire en sorte que le public... D'être un peu plus pointu, que l'offre culturelle, que l'offre artistique aille à un niveau un peu plus élevé en direction du public qui dit « il ne se passe jamais rien ». Donc vous, par rapport à ce fonctionnement qui a un an, est-ce que vous pensez être voilà, dans votre marge de manœuvre, vous allez continuer, ou alors peut-être changer de cap, revoir certaines choses, ou continuer sur cette lancée-là? Sans prise de tête, on continue tel qu'on a commencé, avec toujours on rajoute un petit peu plus de technique, un petit peu plus d'artistes, un petit peu plus de programmation, un petit peu plus de diversité, mais c'est tout. Il n'y a pas de ligne qu'on suit, finalement. En tout cas, moi, j'ai été ravi de faire la connaissance de ce lieu, de vos personnalités, de passionnés. Et je vous dis vraiment bravo, parce que je pense que c'est du travail de militants que vous faites. Et on a besoin d'être sur le terrain, à ce titre, comme des militants, parce que le son, c'est pas si facile que ça, de le faire aimer par tout le monde. Donc moi, j'ai qu'un mot à vous dire, hein, bravo. Merci. Et avançons ensemble. Exact. Burn your heart.